tombe dans mon lit. Pour revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. C'est écrit, vous verrez un long tunnel ou une main vous chercher, sinon la mort n'est pas le moment approprié. Qu'est-ce qui est approprié? Ben, juste l'agonie, tu vas agoniser, tu vas agoniser, agonisette, agonisute. Agonisoute, là, oui, c'est très froid, c'est au nord du nord. Connais-tu ça, toi, l'agonisoute? Ben, non, là, tu vas me le raconter. Bon, OK, il y a la baie de James, oui. Il y a le détroit de Defling. Ah, le détroit de Defling. Ah, mon Dieu, ça, c'est beau, hein? Ah, mon Dieu, il y a une crevasse, là, Defling. Il y a comme un petit ressort, puis il y a Defling. Alors, il y a le détroit de Defling, tu peux t'y attarder, c'est tellement agréable. Il y a quelquefois de la forêt, mais c'est rarement une zone... touffu. Non. Moi, depuis des années, hein, 90, on a dit on coupe tout ça. Puis... Mais donc, tu peux t'y attendre. Et plus tu passes, là, plus tu sens un courant d'eau descendre de ce string. Alors là, tu prends la rue du string, tu montes toujours le string, en haut du string, et là, tu te tiens au pôle nord. Hein, puis il y a juste, c'est pas compliqué, il reste un ours au pôle nord. Ouais, mais est-ce que je pourrais m'absenter quelques secondes? Oui, hein, on va s'enlever une épaisseur. Je sais qu'à la radio, ça paraît pas, mais j'ai mis une petite laine qui me donne une chaleur au niveau de la omoplate. Puis, excusez-moi, ça risque de faire une émission pas très réussie, hein? Alors, on va enlever ça, puis peut-être à la fin de l'émission, nous serons dans le D-string. Ah, oh, bon, tu portes un D-string, toi? Non. Ah, non, moi, ça me nettoierait le derrière de la... Ah, non, faudrait pas de... Ah, c'est... Georgette, toi, ah, moi, je vais mettre des strings. Ah, man, j'ai essayé ça, voilà, là, en 92, là. Puis c'est resté pris jusqu'en 97. Hé, hey, monsieur, là, j'essayais de me laver puis de m'enlever le string. Ça voulait pas le stringer dans le... Il était coincé dans la... Hey, c'est inconfortable, le D-string. Ah, ben là, ça, c'est une religion. Hein. Tu l'es ou tu l'es pas. Ben moi, je me suis pas senti dans le mouvement. Hein. C'est, surtout, c'est l'élastique du nord qui te remonte dans le sud. Puis, t'as comme la voix dans l'aigu. Les gens qui ont la voix aiguë, c'est à cause qu'ils ont le D-string coincé entre le nord et le sud. Monsieur. Là, puis. Plus tu essaies de décoincer ça, puis moins ça veut décoincer, là. Même le lavage, là, prends pas de couteau, prends pas de ciseaux. T'attends que ça use. Hey, monsieur, tu te montes, tu descends, tu frottes, tu descends, tu frottes. À un moment donné, le D-string va se défaire, pow, dans l'arrière de la tête, tout le jus du D-string. Ah, c'est... ouais. Alors donc, c'est ça, mais dans les fruits, il y a aussi le fruit du hasard. Le saviez-vous? Non? Bon. Alors, le hasard se veut, bien sûr, un fruit avec de nombreux pépins. Parce que pour les gens qui croient au hasard, ce sont des méchants moineaux. Ah non, des méchants zoros. Non, des méchants cocos. Des méchants cocos. Le coco est un fruit également, donc ils font partie des cocos. Et ne disons-nous pas le fruit du hasard. Ben oui, on l'a dit ça. Ben pourquoi tu l'as écrit après? Ben je pensais que j'allais oublier de le mentionner. Des fois, je suis dans des conditions vaporeuses, des plus insignifiantes, et j'oublie de dire l'essentiel. Et comme disait Ginette Barbeau, l'essentiel... L'essentiel, c'est quoi l'essentiel, non? C'est d'être aimé, oh mon. Monsieur le Président, monsieur les potrocatés, c'est une belle imitation de Mme Breneau. Ah, ben, elle n'a pas parti, elle, la Breneau numéro 5, là, elle est restée coincée dans le 12. Je suis sûr que le D-string était comme pris. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas le monter. Là. Ah, ben, tout est une question de Renault. Ah, vas-y, ma belle Ginette. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, il faut pour être résident, résidente, hein? Mardou. On réside toujours, c'est souvent sur la même sphère que l'on appelle la Terre, hein? Sauf Ticu Baudouin. Ben, moi, j'ai jamais voulu m'abandonner à ça parce que c'est trop facile. Oui, toi, la facilité, ah, c'est pas dans mon plat. Puis, tu sais que mon assiette est vide. Ah, bon, ah, depuis quelque temps, mon petit numéro 1, il faudrait que je te raconte. Ben, allez, on a le temps. Ah.
J'ai rencontré ma petite Monique. Oh, la petite, la petite, oh, la petite, ah oui, ah oui, la petite, oh, la petite, beau, la beau, la beau, la Monique. Ah, c'est, j'avais demandé la semaine dernière, oui, c'est Monique. Je suis vraiment heureux, puis là, la Monique, elle dit, ben oui, il y a d'une insignifiance, là. J'ai dit, Monique, écoute-moi, ben, Monique. Monique, dans la vie, il y a deux choses, hein. Il y a l'amour et il y a l'amitié. Ben, il me semble qu'il y a plus de choses. Elle aime bien extrapoler, tu sais, comment ils sont, ces gens-là, hein. C'est des individus tout à fait extravagants. Là, elle m'a dit, ben, peut-être qu'il y a d'autres attributs que tu peux relier à cette signification que tu veux résumer en deux mots, peut-être un peu bête. Elle me traite de bête, moi, là. Est-ce que j'ai l'air d'une bête, moi, là? Ben, t'es poilu, oui. T'as des crocs, oui. T'as la rage, oui. Puis tu veux mordre. Ah, ben, mon, tu sais, je suis une bête, moi, là. Ça fait que, là, moi, je suis prêt avec ça, cette affaire-là. Puis, avant tout, je me suis dit, est-ce que je peux la retourner? Pas la retourner dans le sens de, mais la retourner au, tu sais, la, pouf, la, voyez, la, pouf, la piètre. Piètre demoiselle, va-t'en où tu es taise, et je serai fort taise. Là, elle m'a dit, va te balader maintenant. Au début, elle m'aimait parce que j'avais la main baladeuse, puis aujourd'hui, elle m'aime plus parce que je veux moi-même aller balader vers d'autres Champs-Élysées. Ah, c'est ça. Monsieur les voluptés, madame les pas trop catholiques, madame les voluptés, il y a un reste de volupté, toi. Ah, bon, ma vie est une volupté. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Saviez-vous que vous étiez à Errance rénaldienne? Oui, monsieur. Errance rénaldienne est une émission radiophonique, stéréophonique, Dolby Surround Digital, HD. Ah oui, c'est une radio HD. Ben voyons donc, oui. On n'a pas ça. On n'a pas. Georgette, as-tu acheté la radio HD? Ben oui, tu m'as dit, ajoute un transistor. Ben, le milieu du transistor, hein? On capte pas ça, c'est QRL avec un transistor. Ben, c'est QRL, tu prends n'importe comment. Voyons donc, le premier bouton à gauche, là, c'est celle-là. C'est celui-là, c'est notre porte de salut. C'est l'ouverture vers le conscient et l'inconscient collectif. C'est le peuple qui nous parle. Eh, monsieur, le peuple qui nous parle. Ah, mon Dieu, le peuple qui nous parle. Ah, je vous salue. Le peuple qui nous parle. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré? Librement. Est-ce qu'arrête-moi ça, cette musique-là? On n'est pas rendu à cette étape-ci, à cette étape-là. OK. À quoi bon faire de la... précipite les choses. On frappe un fiasco. Tu sais, c'est comme en automobile. L'automobile est mobile. Alors là, quand tu vois le mur là, de presque de briques, et tu roules à 150 km/h et tu peux pas freiner, tu arrives dans quoi? Mais dans un mur de briques. Ben oui. Un mur de briques, et que fais-tu? Ouais, ben qu'est-ce que je fais? Que fais-tu lorsque tu arrives devant le mur de briques? Aïe aïe! Effectivement. À quoi bon faire cette émission? Mieux vaut faire aïe avant qu'après, parce qu'après, ça fait... Ouais, c'est... Est-ce que tu peux le refaire? Oh, c'est parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, j'ai le volant dans la bouche, OK? J'ai les pédales dans les omoplates, et j'ai ma copine entre les mains. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bref, tout nous arrache en même temps lorsqu'il y a du travail qui se fait ailleurs que devant le volant et le véhicule dans lequel on conduit pour nous amener directement à l'hôpital. Traduction de hôpital à l'hôpital. CKRL, cultive tes goûts.